dit Dédé, mes disques ont-ils de la valeur? Le retour du vinyle actuellement a fait monter les cotes d'un support qui dans les années 90 ne valait vraiment plus rien. Alors beaucoup de gens actuellement trouvent dans leur cave ou dans leur grenier, voire dans le salon, ce qui est mieux, des tas de disques. Alors, est-ce que vous avez un trésor en main ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux tout déposer à Emmaüs? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un disque? La question est très vaste. On va dire déjà en premier l'artiste. Du Hervé Villard, du Supertramp, du David Bowie. Les artistes ne sont pas recherchés de la même manière. Hervé Villard a malheureusement peu de fans, c'est pas très recherché. Supertramp, c'était un très bon disque, on va dire qu'il s'est très bien vendu, c'est pas très recherché. David Bowie, en plus de sa disparition, était déjà un artiste bien coté avant. Ce disque est juste mythique, il est en parfait état, c'est coté. La deuxième chose qui contribue beaucoup à la valeur d'un disque, après l'artiste, c'est l'état. J'ai par exemple un album qui est assez mythique, le Who's Next des Who. En plus, c'est un pressage original. Malheureusement, la pochette est bien abîmée et le disque a franchement vécu. L'état compte énormément. Vous avez beau avoir un Who's Next en pressage original, s'il est dans cet état-là, il ne vaudra vraiment, vraiment pas grand-chose par rapport à un pressage en parfait état. Après, l'autre aspect qui compte également, c'est le format. Le 45 tours, dont je joue avec une réédition d'ailleurs, ou le 33 tours. Dans le temps, les 45 tours se sont très bien vendus. Ça se vendait beaucoup plus que les 33 tours. C'était une culture du single. Actuellement, les gens cherchent le côté pratique, écouter une face et devoir tourner le disque, c'est pas pratique, surtout actuellement quand on a des lecteurs MP3. C'est le 33 tours qui est beaucoup plus recherché que le 45 tours. Il faut le savoir. Comme vous avez pu le constater, le sujet est assez vaste. On va aujourd'hui se consacrer uniquement aux artistes. Que vous allez me demander, j'ai un tas de disques, vous me donnez un tas d'informations, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qui vaut vraiment de l'argent? Globalement, il y a des artistes, comme je vous ai dit, qui sont quasiment toujours cotés. Les Beatles, c'est le grand classique. Voilà, le disque le plus cher qui s'est vendu, l'album blanc des Beatles, a atteint des sommes vraiment astronomiques. On pourrait s'acheter une belle villa avec. Après, on a des artistes un peu comme les Rolling Stones, comme Bob Dylan, comme David Bowie justement, Pink Floyd, Jimi Hendrix, Bob Marley. Globalement également, tout ce qui est hard rock, c'est quasiment toujours recherché. Il y a les connus, les AC/DC, les Scorpions, qui sont plus ou moins cotés, mais si vous avez déjà ça dans votre salon, c'est pas mal. Après, des choses même plus rares, Motorhead par exemple, dont les premiers pressages atteignent de très très belles sommes, Black Sabbath, où les pressages originaux, pareil, atteignent vraiment de très très belles sommes. J'en ai vu un justement l'autre jour, un pressage original du Paranoid, qui était coté à entre 150 et 200 euros. Ça vaut le coup. Alors ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas les artistes qui sont dans le bac de disques que ce n'est pas recherché. Il faut savoir que les musiciens, c'est tellement vaste, les collectionneurs, c'est tellement vaste, il y en a eu vraiment pour tous les goûts, rien que dans les genres. Du jazz, du blues, du rock, de la musique électro. Dans la musique électro, il y a des artistes que vous ne connaissez pas, que les fans de musique électro adorent. Pareil dans le rock, pareil dans le blues, pareil dans tous les genres. Vous retrouvez par exemple avec ce genre de disque, qui est Suzy Quatro. Moi je connais très bien, j'en suis fan, mais en fait globalement peu de gens connaissent. Que ceux qui ont vécu le début du rock des années 70 qui savent qu'en fait c'est une rockeuse américaine qui a fait carrière en Angleterre. Les New York Dolls, pareil, leur passage à l'Olympia, il n'y avait personne au début des années 70. C'est juste le groupe qui avait déjà le son du punk au début des années 70. C'est super rare, c'est super recherché et pourtant personne ne connaît. Ce disque-là par exemple vaut une cinquantaine d'euros. Roy Buchanan. Pareil, personne ne connaît, c'est un bluesman juste génial, une virtuosité qui est vraiment à couper le souffle. Je vous conseille de chercher des vidéos d'ailleurs sur YouTube et de voir comment il joue. Vous allez voir que Jimi Hendrix, qui était un peu avant, n'a même pas cette vélocité. Il a cherché un autre son, donc c'est différent. Mais quand on parle de virtuosité, il y en a tout plein que l'on oublie. Il faut pas croire que parce que c'est pas connu, que c'est pas bien. Il y a plein de gens oubliés en fait. Et les fans de blues par exemple, quand ils trouvent un Roy Buchanan, c'est tellement rare que on peut trouver ça à des prix d'ailleurs
assez correct, entre 10 et 20 euros par exemple. Si vous en avez 3, dans votre salon, c'est déjà pas mal, toujours bien sûr en parfait état. Alors je vous ai cité un tas d'artistes dans l'international qui sont recherchés, artistes ou groupes. Il y a également dans la variété française des choses qui sont recherchées. Il faut être franc, quand vous trouvez des disques dans votre salon, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur un tas d'artistes de variété française, vu que ça s'est énormément vendu dans le passé, et que ça continue encore d'ailleurs, cocorico. Donc rassurez-vous, il y a des artistes français qui sont recherchés en disque. Dalida par exemple, elle a toujours eu une cote. Quand vous avez en plus des petits 25 cm, c'est quasiment toujours des pressages qui datent d'avant 1965, donc des pressages originaux. C'est beaucoup plus recherché, après, faut toujours que ce soit en bon état, je le précise. Georges Brassens. Georges Brassens, il a énormément influencé les artistes des années 70. On peut par exemple parler de Maxime Le Forestier, Renaud. Il y en a énormément qui ont prétendu avoir un héritage de Brassens. Ça reste un point de départ dans la variété française. Parmi d'autres, bien sûr, on va dire que c'est toujours recherché. Il y a eu énormément de rééditions pour Brassens, mais si vous en avez, ça partira toujours. Un autre grand géant de la chanson française, et qui est parfois même très très recherché, c'est Gainsbourg. C'est un album assez standard celui-ci, il y a eu des musiques de films qui se sont vendues à très très peu d'exemplaires par exemple. Ce genre de choses peut être vraiment très coté. Pour en revenir à l'aspect exceptionnel de certains disques, en reprenant justement ce même Brassens, vous constaterez en fait qu'il n'a jamais été ouvert. C'est une mention même spéciale d'ailleurs dans les classifications de l'état des disques quand il est fermé. On suppose bien sûr qu'il est en parfait état à l'intérieur et il est vraiment en état neuf. C'est quand même assez rare d'ailleurs de trouver des disques encore fermés. Les gens les achetaient quand même à la base, non pas pour les entreposer dans leur salon en espérant que 50 ans après ça vaille de l'argent, c'était plutôt justement pour les écouter, comme ce que je vous disais, la culture du 45 tours, on écoute une chanson à fond, que justement pour les garder dans ce genre-là. Globalement, vous l'avez compris, c'est surtout l'aspect exceptionnel de votre disque que vous avez en main qui va justement faire la valeur. Pour reprendre encore un autre cas, ce disque de Brassens, un 25 cm, est malheureusement assez abîmé par le temps. La personne avait collé du scotch dessus, ça c'est un crime contre l'humanité, je le précise. Plein de gens ont scotché leurs pochettes, ça laisse des traces sur les disques, que ce soit justement le jaunissement au bord des pochettes, ou pire encore, lorsque ça ne tient plus, vous essayez de l'enlever, vous arrachez une partie de la pochette. Un autre disque qui est en fait bien, il faut dire ce qui est, on aime ou on n'aime pas Sardou, mais c'est pas un mauvais album. Malheureusement, Michel Sardou, c'est un des artistes qui a le plus vendu en France. Cet album-là est hyper fréquent. Il est en très bon état et malgré ça, en fait, vous allez avoir beaucoup de mal à le vendre. Pourquoi ? L'aspect exceptionnel, justement, c'est d'avoir un disque très demandé, rare, tiré à peu d'exemplaires, en parfait état. Et c'est justement pas d'avoir un disque qui s'est vendu à des milliers, peut-être même à des millions d'exemplaires. Même s'il est en parfait état, tous les gens l'ont, et en fait ça n'intéresse plus personne. Globalement, ce qui fait la valeur d'un disque, c'est l'aspect exceptionnel. Et il y a également le côté offre et demande. Il y a des artistes qui sont demandés actuellement qui ne l'étaient pas dans le passé. Il y a des artistes qui se vendaient très bien dans le passé qui ne le sont plus actuellement. À l'époque, un disquaire devait avoir du Michel Sardou et il en vendait des quantités. Actuellement, il vaut mieux avoir du Led Zeppelin, du Pink Floyd, des Beatles dans son bac de vente de disques. Ça partira 10 fois plus vite que justement l'intégrale de Sardou en parfait état. Il y a encore des exceptions là-dedans. En fait, coter un disque, c'est vrai que c'est super difficile. L'une des exceptions, justement, c'est Johnny Hallyday. Il y a chez lui des disques très rares et recherchés. Il y a beaucoup de fans en France, donc on va se dire, il y a une forte demande. C'est magnifique, je vais gagner beaucoup d'argent avec mes disques, ils ont de la valeur. Oui et non. En fait, le problème de Johnny Hallyday, c'est que justement, il y a eu des fans depuis très longtemps. Il y a des disques, par exemple, qui se trouvent en quantité industrielle. Je ne veux pas dire dans chaque brocante, vous allez en trouver, chez chaque marchand de disques, vous allez trouver les mêmes. Mais il y a des disques, justement, que même en parfait état, ils n'ont pas une très grande cote. À côté de ça, il y a aussi eu bien sûr des pressages plus rares de Johnny Hallyday. Il y a eu des pressages venant de pays étrangers, comme par exemple le Japon. Ça, c'est beaucoup plus recherché.
globalement, dans les marchés opus, dans les brocantes, chez les bourses, dans les bourses aux disques, j'ai quand même beaucoup vu de disques de Johnny Hallyday qui pour moi étaient surcotés. Des disques que je trouve régulièrement qu'on essaie de me vendre beaucoup plus cher. Alors, vous voyez un disque marqué dessus, je tiens à vous rassurer, je ne l'ai pas payé 10 euros. Je l'ai acheté à la période des francs où justement le vendeur était relativement honnête. Il savait que c'était un très bon disque, mais qui s'est justement bien vendu dans les années 80. Et malgré qu'il soit en bon état, il a préféré en tirer à l'époque 10 francs, c'est-à-dire l'équivalent d'1,50€, plutôt que d'essayer de le vendre plus cher et de le garder pendant des années. Parce qu'il faut bien savoir une seule chose, c'est qu'un disque que vous allez essayer de vendre trop cher ne se vendra pas et vous allez simplement le garder. Il y a encore, dans les cas particuliers, des artistes justement pas connus, qui sont parfois même très recherchés. J'en parlais tout à l'heure justement avec des groupes qui sont quand même assez connus. Catherine Ferry est par exemple quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais que les fans de Daniel Balavoine connaissent très bien. Daniel Balavoine, en fait, était son compagnon, l'a suivi à l'Eurovision, et ensuite a produit sa carrière. On voit par exemple sur ce disque, un petit Daniel Balavoine ici, où c'est marqué justement comme quoi il avait supervisé et il s'était occupé de cet enregistrement. Il y a parfois des artistes comme ça, vraiment pas connus, mais qui vont être recherchés en fait par un certain type de public, comme je le disais. Ce sont des exceptions, il y en a plein. On va dire que 95% des gens qui vont fouiller dans votre bac de disques et qui vont tomber sur Catherine Ferry, le nom leur dira vaguement quelque chose et ça ne les intéresse pas. Mais après, il y a justement les fans qui vont en fait acheter pas mal de disques pour justement compléter un peu autour de l'artiste justement qu'ils cherchent. Je vais justement en profiter pour parler. Voilà. C'est exactement le même 45 tours et ce n'est pas la même pochette. Ça arrive en fait très souvent. Alors, de là à dire qu'il y en a un qui est vraiment plus coté que l'autre, que ce soit pour ce disque ou que ce soit pour les autres, c'est vraiment au cas par cas. Il peut arriver en fait que vous avez une pochette qui a été censurée. Donc dans ce cas-là, comme pour le cas des Beatles par exemple, avec la pochette avec les bébés décapités, elle est super recherchée. Pareil pour celle où ils sont habillés en français, qui était prévue que pour le marché français. Elle est super recherchée. Il y a même d'ailleurs des contrefaçons qui se font, donc faites attention si vous tombez dessus. Mais globalement, les différents pressages, est-ce que ça a vraiment une cote plus intéressante ou pas? Ça peut. On va dire que dans 80% des cas, de là à dire qu'il y en a un qui est vraiment plus coté que l'autre, non. Catherine Ferry est recherchée par les fans de Balavoine, par exemple. Je prends un cas particulier justement pour en tirer une règle. Voilà, ils seront bien contents d'avoir les deux pochettes différentes. Mais après, ça va s'arrêter là. De là à dire celui-là je le vends à 5, celui-là je le vends à 10, parce que celui-là est un peu plus rare ou celui-là a je sais pas quoi comme prétexte pour être vendu plus cher. Non, ça ne marche pas comme ça. En résumé, si vous voulez déterminer si votre disque a de la valeur ou pas, il faut juste se poser une question simple. Est-ce qu'il y a beaucoup de fans par rapport aux ventes de disques que j'ai eues? Offre et demande, voilà. Si vous retrouvez devant un Billie Holiday, si vous retrouvez devant une collection qui comporte ce genre de disque justement, des symphonies de Beethoven, du classique, le public à qui vous allez essayer de le vendre ne réagira pas du tout de la même manière. Il y a des disques justement vendus à de nombreux exemplaires, je repense à ABBA, je repense à Supertramp que je vous ai montré, je repense justement aux disques de classique qui à une époque dans les années 70, c'était un tiers des ventes de disques. Donc Karajan, excellent chef d'orchestre, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, excellent orchestre, excellent label, c'est une bonne version, mais malheureusement ça se trouve très très facilement. Et pareil, même en bon état, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, si vous voulez savoir si votre collection vaut beaucoup d'argent, posez-vous cette question simple.
Est-ce qu'il y a de la demande dessus? Est-ce que justement l'État va donner envie aux gens de les acheter? Cette première vidéo donc consacrée aux artistes touche à sa fin. Vous pouvez voir ici en image quelques disques qui restent recherchés. On abordera plus en détail l'état des disques ainsi que les particularités qui peuvent vraiment changer la cote d'un disque. J'ai encore beaucoup de projets donc concernant les disques vinyles, des tas de sujets abordés. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis si la vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce bleu. Merci. À bientôt. Et puis longue vie au vinyle.